Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis avec un ami qui était avec moi, élève dans la même école, même collège, même école primaire. Et actuellement, il est le président de l'association des parents d'élèves. Et ici, comme vous le savez, c'est le Maroc. Donc les parents d'élèves, ils s'occupent pas seulement des problèmes psychologiques, etc. avec les professeurs. Ils s'occupent aussi des familles démunies. Ils connaissent très très bien les élèves. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils regardent. Et là maintenant, par exemple, il y a entre 30 et 50 élèves qui vont profiter de cet événement qui est la distribution des cahiers et des stylos, etc. Pour nous, ça peut sembler quelque chose de très peu, mais pour ces élèves-là, c'est très primordial. Il s'agit de familles qui ont des maladies, qui ont des difficultés, qui ont du mal à avoir leur pain de jour. Alors, si quelqu'un les soulage pour que les enfants ou pour les étudiants, parce que c'est des collégiens, continuent leurs études, c'est une très très bonne chose. Donc, je remercie énormément mon ami, mon frère. Merci également mon frère. Merci également mon frère Jalal. Et je vous souhaite très bonne continuation, Inch'Allah. Inch'Allah, merci, merci beaucoup. Aïe, salam alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا بدء أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل للأخ جلال وعلى هذا يعني الكتب والدفاتر التي أداها لجمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ الإعدادية محمد الفاسي كعربون ولا لأنه تلميذ قرف ذاك المؤسسة وبدوري كنشكره وكنشكر الأخوان اللي أيضا ساهموا معاه لأن الأخ جلال بدوره يعني دار واحد البادرة وكنشكره جزاه الله عنا خيرا وكنشكر الإخوان الكرام اللي أيضا ساعدوه باش يوفر للتلاميذ ديال محمد الفاسي هذه الدفاتر من أجل دخول مدرسي متميز وجزاه الله عنا خيرا مجددا والسلام عليكم ورحمة الله.